Le chant des partisans, André Mullier l'a fredonné des centaines de fois. Pour ne pas oublier pourquoi il sabotait autrefois les réservoirs d'hydravions allemands dans l'usine où il travaillait. Pour ne pas oublier surtout qu'à Buchenwald, il portait le numéro 14370. C'est toujours douloureux parce que y a quand même des séquelles qui sont restées. Et bon, il faut bien faire avec, hein, avec l'âge aussi, hein. C'est normal. Mais sinon, c'est surtout à tous mes amis, je pense, dans ces cérémonies-là. Je pense surtout à mes amis. À 92 ans, il est l'un des derniers témoins vivants de la barbarie nazie. Alors désormais, ce sont les enfants des résistants déportés qui perpétuent leur mémoire. Après une attente interminable, c'est l'enregistrement, l'abandon de tous les effets personnels, puis enfin le rasage, la douche, la tenue de bagnard et un matricule, le numéro 26252. Ces mots, lus avec émotion par son fils, sont ceux d'un résistant de la Chapelle sur Aveyron, déporté à Mauthausen. Ici, à Loris, cette journée nationale du souvenir lui est dédiée, à lui mais aussi à deux autres résistants déportés du Loiret. Au travers de cette plaque, on honore la mémoire de ce jeune homme, puisqu'il est mort à 26 ans. Il était de nationalité belge et il est mort pour la France. Pour moi, c'est quelque chose. Nous, on le souhaite pour papa qui s'est voulu tellement discret tout au long de sa vie, à un moment donné, honorer sa mémoire, honorer ce qu'il a fait et avoir la fierté de ce qu'il a fait, et en plus des valeurs qu'il nous a transmises, hein, des valeurs de liberté, c'était fondamental pour lui. Grand nombre d'enfants de déportés témoignent également dans les établissements scolaires, afin que les jeunes générations connaissent ceux qui se sont sacrifiés pour leur liberté.